On a un peu la tête dans le cul, mais tout va bien. On est à Mexico. Notre appart, enfin notre cabane plutôt. Ça fait bientôt une semaine qu'on est arrivé au Pérou. Pour commencer, à Lima,
Donc Lima c'est la capitale du Pérou et en fait on est pas très loin de la mer. Sauf qu'il y a les montagnes juste derrière qui bloquaient en fait les nuages. Et en fait pendant 4 jours on n'a pas vu le soleil, le ciel était blanc et il faisait 17 degrés. Et le truc c'est que l'appart n'était pas du tout isolé. Genre il y avait ça de jour sous la porte. Et du coup la nuit on se caillait, il faisait 10 degrés, on dormait avec les doudounes. D'autant plus qu'en fait ici c'est la fin de l'hiver. Donc les températures sont vraiment pas très hautes. Et ensuite le choc culturel. C'est-à-dire qu'après un an en Suède, arriver ici où c'est le gros bordel dans les rues, ça fait bizarre. En fait, il y a des taxis qui klaxonnent pour qu'on monte dans leur taxi. Mais tous les 2 mètres, vraiment toutes les 2 secondes, il y a quelqu'un qui klaxonne. Donc en fait, t'entends klaxonner dans tous les sens et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et sinon, Lima, c'est vraiment hyper grand. Et ce qui est très joli, c'est la vue depuis la falaise. Et en fait la falaise est noire et il y a des plantes très vertes dessus et le contraste avec l'océan, c'est vraiment très joli. On a une vue en hauteur sur l'océan, on a vu plein de surfeurs et de gens en parapente qui sautaient de la falaise, c'était vraiment impressionnant. Et après ce qui est trop bien c'est qu'on a pu goûter plein de fruits différents qu'on connaissait pas et ça c'est vraiment trop bien, les mangues sont trop bonnes, les avocats aussi trop bons. Et ce qui est bien aussi c'est que la nourriture coûte vraiment pas cher et pour se déplacer aussi c'est hyper pratique. Un autre point déroutant aussi c'est que je pensais qu'on allait pas trop mal se débrouiller en espagnol mais en fait on comprend rien de ce qu'ils disent. Vraiment, je comprends pas. Ils parlent, je sais pas si c'est l'accent ou si c'est parce que déjà, ah oui, il faut porter 2 masques chirurgicaux ou un FFP2. D'habitude je m'en sortais en lisant sur leurs lèvres. Mais là, c'est pas possible. Et ils font vraiment pas d'efforts. Et personne ne parle anglais, bien sûr. Donc, on a un peu galéré. Est-ce qu'on n'est pas bien avec ces petites toiles de qualité? Non. Voilà. Petit tuto pour la mettre. Vas-y, il faudrait faire la déplier, ça. Il n'y a pas trop de place. Voilà, on est déguisé en petit chaperon rouge dans l'avion avec le double masque. C'est génial. Ouais, mais on a chaud. On a chaud.